le seul vaccin, vous avez entendu? Bon. Non mais qui a volé ça? Franchement, là on est en pleine phase test de... Putain, mais j'ai l'impression qu'on va trop entendre le vent. Là on est en pleine phase test du nouveau format. Donc comme vous le voyez, je me lance dans le motovlogging. Donc c'est-à-dire filmer à moto, voilà. C'est des vlogs mais à moto, c'est-à-dire que vous allez me suivre pendant toute la journée. Enfin, après je vais pas vous montrer toute ma journée, mais trop bizarre de filmer à moto comme ça, parce que... Alors je dis tout de suite, hein, parce que comme ça, vous n'allez pas commencer à me faire chier. Ah oui, non mais tu devrais faire ça, machin, machin. Les gars, écoutez-moi bien, je conduis ma moto comme j'ai envie. Je vous remercie. Vous n'êtes pas là pour juger ma conduite. D'accord? Je fais ce que je veux. Ne me faites pas chier pour aller plus vite. Moi, j'ai pas le temps. Vous allez peut-être découvrir. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Mon Dieu, Seigneur. Si ça se trouve, le schéma fait plus long. Vous allez découvrir une nouvelle Mégane. Parce que sur la route, je suis quelqu'un d'autre. Et complètement. Enfin, surtout quand les gens font n'importe quoi, comme moi-même des fois. Ça me fatigue en fait. J'ai un jean super serré sur... Enfin, un jean, un espèce de pantalon. C'est ma première sortie. Enfin, c'est ma première sortie, lol. Comment vous dire? C'est... Fin du deuxième confinement. C'est ma première sortie officiellement pour retourner dans les magasins. Là, c'est-à-dire que les magasins ont réouvert et tout. Donc après plus d'un mois, je vais là à Épinay là, parce que hein, inutile de vous dire que voilà, au niveau de mes jambes, ça se passe pas comme prévu, mais vraiment pas. Et madame prend tout ton temps, comment on dit chez papa et maman. Mais putain, il faut que je m'habitue à rouler avec le casque fermé, enfin à demi fermé du coup. Puisque j'avais pris l'habitude, entre parenthèses, ou les casques ouverts. Et là, voilà quoi. Je vous reprends juste après ça, en espérant qu'on ne me fasse pas trop honte parce que j'ai mis ma moto là. Et puis voilà. Tu vois, après aller jouer les gens, je suis mauvaise, je suis mal élevée pour une fille. Nanini, nanina, stop en plus, stop que t'as même pas manqué. Avant, où les casques ouverts, ça me dérangeait. Parce que ben, j'avais eu l'habitude au permis, enfin, quand j'allais à la moto-école, j'avais pris l'habitude de rouler casque fermé. Donc du coup, je me suis habituée à rouler casque ouvert. Mais ça me fatigue maintenant. Après, j'ai pas prévu de filmer tout le temps, mais vraiment pas. Je vais pas filmer quand est-ce qu'on sort en moto, parce que les garçons vont trop croire que je suis là pour filmer leur cabrage, alors que pas du tout. Mais même, j'ai aussi envie d'être à l'aise pendant les sorties et tout. Et...
Et non, non, vaut mieux que je filme pas pendant. C'est pas par là que je voulais faire, merde. Je pense aussi qu'il faudra que je m'achète un casque spécialement dédié à quand je vais filmer. Parce que là, pour l'instant, j'ai fixé sur mon roof. Imaginez, je parle tout ça. Et puis au final, l'angle n'est même pas bon. Je vois même pas le feu, pour tout vous dire. Bon, après c'est une autre école, donc c'est pas comme si j'en allais accélérer de fou mal là-dedans. Comme je disais, j'ai demandé de conseil à personne concernant ma conduite. Non, parce que sincèrement, je vais pas. En fait, si j'ai besoin de conseils, je sais à qui demander. Vous voyez, je fréquente assez de personnes qui roulent la moto tous les jours. Pour leur demander. Putain, mais lui, il fait exprès ou quoi? Ça me met en. Je fréquente assez de personnes qui roulent tous les jours à moto. Ou si jamais je veux des conseils. Je suis toujours apprenti, quoi. Je roule quotidiennement, entre parenthèses, seulement depuis que j'ai ma moto. C'est-à-dire depuis 5 mois, quoi. Voilà. Pas depuis très longtemps, donc j'apprends toujours. Je vais y brûler le feu. C'est un truc de malade. Je dois dire, mais moi, je parle toute seule. J'ai pris le sac de mon papa. C'est un sac Fox. Les sacs Fox d'il y a genre 400 ans en arrière. Coucou. Alors, tu vas m'excuser, hein, cocotte lapine. Imagine si Méon est fermé. Ce qui m'étonne. C'est quoi cette pluie-là qui arrive là? C'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Alors là, moi je vous ai. Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que dès que je sors ma moto, il pleut. Pourquoi? C'est très gentil, mais je ne vais pas en là. Ma GoPro n'a plus de batterie, non, enfin presque plus de batterie. J'ai un espèce de petit pantacou là, il est tellement serré. Mon Dieu, Seigneur. Je vous jure que si je prends une goutte de pluie, je rentre chez moi, garer ça. Mon Dieu, mais pourquoi il y a du monde comme ça? C'est quoi leur problème? Il y a des promos par ici ou quoi? Heureusement, je suis venue à moto et non pas en voiture. Vous voyez pourquoi le clignotant c'est important? Moi qui dis ça, je mets jamais mon clignotant. Enfin, sauf quand je vois une moto, bien sûr. Et là, je vais mettre le mien pour qu'on me laisse passer. Voilà. Bonjour. Comme votre copine a garé sa moto sans essence, donc elle est obligée de faire de l'essence ce matin. Voilà. Bien sûr, je suis déjà en retard. 11 euros par carte bleue. Où? Non, ça va. Je suis à chercher au cas. Quel DR.
ville. Essayez, j'arrive pas à parler quand je fais de l'hétérophile. Parce que ça me demande trop de concentration. On rit, mais c'est vrai en fait. Pour essayer d'anticiper les conneries des gens qui veulent déboîter au dos à n'importe quel moment. Les gens qui font pas attention à moi. Les gens qui roulent au milieu des fois. Enfin, ils sont toujours sur leur voie, mais ils sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme lui, par exemple. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour filmer. En fait, c'est soit je fais des daily observations et que je filme tous les jours. Et que, en fait, quand je fais le montage, je vous colle uniquement les parties intéressantes des vidéos. Ça. Je pourrais pas parler pendant l'interview. Sincèrement, un manque d'inattention, ça passe pas. Et sincèrement, non seulement j'ai pas envie de tomber, mais j'ai surtout pas envie de jeter ma moto, les gars. Ça va vraiment pas me faire mal. Commençant déjà par une fois en moi, je pense que ça peut être bien. Comme ça. Ciao, bye bye.